Les bonnes idées valent toujours la peine d'être écoutées. Sous le haut patronage du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Augustin Kabuya, le corps de l'élite scientifique de l'UDPS a uni ses forces et lance du 6 au 7 juillet 2022 à Kinplaza, Beyrouth, Dana. Sa première conférence sur les défis du développement de la République démocratique du Congo. Plusieurs éminents auteurs seront au rendez-vous autour du thème principal. Science au service du peuple, prenez rendez-vous. Car c'est ici que les intelligences se réunissent pour une initiative unique en vue de développer la RDC. Pour toute information, contactez le numéro le plus 243 89 95 49 969 ou le plus 243 81 78 38 089. Nous allons passer à l'autre présentation. Lui, c'est le prof Jean Zourou, qui est docteur en sciences de l'ingénieur, et professeur à la faculté polytechnique de l'UNIKIN, directeur technique de l'Ivanhoe Mine Energy. Il a une expérience de 17 ans dans les projets d'énergie électrique. Nous l'invitons pour nous parler des problématiques de négociation des contrats des grands projets en RDC. Je vous invite, professeur. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Mesdames et messieurs, à vos titres. Et je vais m'attarder beaucoup plus sur les grands projets dans les domaines de l'énergie électrique. Mon exposé va s'articuler autour de 8 points. On commencera naturellement par une introduction. Je parlerai de la préparation du projet. Je parlerai de la qualité des personnes impliquées dans un projet. Je parlerai de coûts, des délais, de la logistique et des démarches administratives, et puis de l'évaluation du projet, puis, et c'est très important. C'est quoi un contrat? Je suis allé chercher la définition de l'Université de Montréal, que j'ai beaucoup appréciée. C'est un document qui permet de constater par écrit les engagements, les obligations et les droits des signataires, qu'on appelle parties. Les juristes aiment bien des trucs comme ça. Toutefois, ces documents peuvent porter divers noms. Ça peut être une entente contractuelle, ça peut être un accord, un contrat, une convention, et tous ces noms viennent de la nature de ces engagements. Attention, cette définition, comme vous le voyez, montre la face visible d'un contrat. On vous montre ce qui est bien dans un contrat, c'est-à-dire une entente, un accord entre les parties. Mais vous serez peut-être déçu que je vous dise qu'en réalité, un contrat est plus souvent, et d'ailleurs dans la plupart des cas, je pense, une entente entre les parties qui ont des objectifs et des intérêts opposés. Vous voulez construire votre maison, vous la voulez de meilleure qualité, au moindre coût, mais l'entreprise que vous, avec laquelle vous contractez pour la construction veut peut-être la bonne qualité, mais veut gagner de l'argent. Et d'où les contrats, il faut quoi? Les négocier. Et si je parle des grands projets, ce sont des projets stratégiques importants, avec des coûts très importants, qui valent parfois des millions de dollars, ça peut aller jusqu'aux milliards de dollars, même plusieurs milliards de dollars. Et ce sont des projets qui ont souvent des plannings très complexes. Je vais ici parler d'une étape très importante dans la réalisation des projets, très négligée en RDC. La préparation de projets.
La plupart des projets en RDC, j'en ai l'expérience, échouent parce qu'ils sont très mal préparés. Pire encore, parfois, ils ne sont même pas préparés. Donc, cette étape est la plus importante dans la réalisation d'un projet. Depuis l'idée, il faut savoir qu'un projet commence toujours par une idée. Il faut avoir des objectifs très clairs. Il faut les études. J'insiste beaucoup sur ça et c'est pourquoi j'ai mis en rouge. Il faut les valider. Il y a beaucoup de gens qui viennent avec les études, qui sont mal faites, qui ne sont pas validées. Ils disent, OK, j'ai les études, il faut mettre en œuvre le projet. Il faut monter le projet. Et les points de suspension, ce sont les autres étapes. Comment on va faire? Est-ce que on va faire la passation des marchés? Qui on doit inviter? Patati patata. Donc, les grandes décisions stratégiques d'un projet se prennent à cette étape. La réussite d'un projet en dépend énormément. Je peux encore vous rassurer, faites votre examen de conscience, prenez même les projets qui viennent d'en haut. Président de la République, gouvernement, tel ministère, vous verrez que généralement ces projets ne sont pas bien préparés, parfois pas du tout. En RDC, comme je l'ai dit, beaucoup de projets sont mal préparés et échouent déjà à cette phase de préparation. Je l'ai dit souvent à mes étudiants, aujourd'hui je suis devant des grandes personnalités, je les redis. Il y a des couples qui divorcent déjà avant de se marier. Il y a des projets qui échouent déjà dans leur phase de préparation. Le deuxième aspect, très négligé en RDC, c'est la qualité des personnes qui seront impliquées dans un projet. Très important. Je vais énumérer quelques qualités avec mon expérience. La première qualité, ce sont les capacités intellectuelles. Ces capacités intellectuelles devront être en rapport avec les aspects principaux du projet. Ce n'est pas parce que quelqu'un a un diplôme, il s'agit de construire une infrastructure électrique, vous allez prendre un médecin. Mais moralement, il n'est pas bon. Il est corrompu, il est corrupteur, il peut mettre en moule un projet. L'expérience. Quand on parle de l'expérience, dans les CV, ça vient très vite. J'ai 10 ans d'expérience, j'ai 20 ans d'expérience, mais ici, je parle de l'expérience positive. Quelqu'un qui a géré un projet qui a échoué à cause de lui, il va mettre dans son CV qu'il a une expérience sur le projet. Et puis, les conflits, il faut des personnes non conflictuelles. Et puis j'ajoute aussi l'humilité, c'est très important. Quelqu'un qui s'est dit, c'est moi qui connais tout, tous les autres ne connaissent rien, il est capable de faire échouer tout seul un projet. Donc il faut des personnes capables de prendre de bonnes décisions. Si quelqu'un a toutes ces qualités, il sera capable de prendre de bonnes décisions et d'être proactif dans un projet. Ben, je veux vous faire un peu de mal, il est très difficile de trouver des personnes avec toutes ces qualités. Généralement, on fait une concession. On dit celui-là, parfois il est immoral, mais il est très important, prenons-le quand même et gérons-le. Donc, il faut éviter les mauvais choix des personnes. Ces choix qui sont mauvais sont souvent opérés en dehors des qualités susmentionnées, parce que c'est un cousin, parce qu'il est du même parti que moi. Et puis, enfin, il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Un autre aspect généralement négligé dans la conduite des projets, c'est l'écoute. Tout le monde le sait, on le dit, l'argent est le nerf de la guerre. Les coûts, ça je vous l'ai dit, peut devenir un facteur bloquant pour un projet s'il n'est pas juste. C'est une bataille pour arriver à un coût juste.
Donc, il faut maîtriser le coût. Il y a deux aspects. Le coût qui n'est pas juste peut être exagéré. Et un coût exagéré, vous verrez, il peut conduire aux antivaleurs. Quand quelqu'un, pour une maison qui coûte 100 000 dollars, il perçoit 500 000 dollars, il est prêt à corrompre et même à soudoyer la personne qui était porteuse du projet. Et attention, il n'y a pas que ça. Le coût exagéré peut même résulter des antivaleurs. Quelqu'un qui s'entend, le porteur du projet, il dit, bon, ça coûte 100 000 dollars, tu mets 500 000 et on va se partager le reste. Et le coût très bas, souvent c'est le cas en RDC. Ça, je vous l'ai dit, dans la plupart des projets que je regarde, les coûts sont généralement très bas. Qu'est-ce qui se passe? Les politiciens disent, je n'ai que autant d'argent. Faites avec ça. Faites des miracles. Donc, le coût bas peut amener à l'incapacité d'exécuter un contrat. Ça amène les avenants, ça amène les contentieux de marché, jusqu'à la rupture de contrat, parfois jusqu'au procès. Donc, le coût que vous voyez dans un projet dépend de plusieurs facteurs. Et l'étendue des prestations, je veux une maison, est-ce qu'elle est en tôle, est-ce qu'elle est en pisé, en paille? Et puis les options que vous choisissez, je veux une maison de haut standing, le coût vient avec. Le coût aussi dépend des délais, je parlerai des délais plus tard. De la qualité, qu'est-ce que vous voulez comme fourniture, qu'est-ce que vous voulez comme équipement, qu'est-ce que vous voulez comme logistique? Et puis aussi chez nous, je parlerai aussi de ça, des aspects administratifs. J'en ai l'expérience, je vous montrerai comment les bêtes trucs d'administration peuvent augmenter le coût du projet, surtout en RDC. Donc, il faut faire très attention aux gens qui exigent la réduction des coûts. Les coûts dépendent de quelque chose. Si vous réduisez les coûts, il faut réduire un des aspects dont dépend le coût. Donc, une réduction de coût suppose un changement dans l'un ou plusieurs facteurs que je venais d'énumérer là. La suite des coûts, il faut faire très attention aux pièges. Je vais donner un exemple. C'est très important de donner ces exemples de projets réels. Avec la réduction de coûts, généralement quand on négocie un contrat, on veut voir son coût à la baisse. On veut gagner pour des grands projets de plusieurs millions, parfois plusieurs centaines de millions. Mais on va voir qu'il y a des exemples qui montrent que on peut ne pas penser aux pertes qu'on peut endurer parce qu'on a voulu réduire le coût. On va voir ici, par exemple, il y a deux projets. Un était financé par la Banque mondiale, G21-22. Un autre financé par un minier, G27-28. J'ai mis ces chiffres pour qu'on voit d'où on était venu, où est-ce qu'on est allé à la fin de ce projet. Vous voyez, G21-22, c'était un projet de deux groupes d'Inga 2. Vous regardez qu'on signe les contrats en 2012. La date prévisionnelle d'achèvement, c'était 2015, donc 3 ans après. Et la date réelle de mise en service, plutôt 2017 pour les G21, 2018 pour les G22. Les petits calculs que j'ai faits, je ne suis pas sûr que les porteurs de ces projets l'ont fait. Quel est le raisonnement? C'était prévu pour qu'on mette en marche ces groupes qui ont une certaine puissance à une certaine date. Ces projets ont été réalisés, ont été finalisés en retard, mais je voulais montrer qu'a coûté en réalité les retards. Pas dans le projet, en dehors du projet. Parce que dans le projet, les retards peut-être a coûté 2 millions, 3 millions. Mais regardons en dehors du projet. Quel est le raisonnement? Le raisonnement, c'est que un groupe d'à peu près 160 mégawatts, 160 000 kilowatts, je prends un taux de disponibilité d'à peu près 85%.
en disant ce groupe va fonctionner pendant 85% de temps. Je prends les tarifs de haute tension, qui est un des tarifs intermédiaires. En moyenne tension, c'est plus haut. En basse tension, c'est un peu plus bas. Il y a 8760 heures par an. Et puis, j'ai dit que on devrait commercialiser que 60% de cette énergie. C'est même pessimiste. Regardez ce que donnent les calculs. Parce que on a eu une extension de contrat de 5,9 ans sur les premiers groupes. Non, extension de 2,7 ans. La SNEL, qui était bénéficiaire de ces projets, a perdu pour un seul groupe 110 millions de dollars. Je vous rappelle que pour faire ces projets, ça coûtait à peu près 130 millions de dollars. 130 millions, vous voyez. G21-22, pour 130 millions de dollars, peut-être pour 10 millions de dollars qu'on voulait économiser, on en a perdu 220. Et c'est difficile que les gens réfléchissent de cette manière. On a fait les projets, les groupes sont rentrés sur les réseaux, tout le monde est content, on a inauguré, les gens ont acclamé, mais regarde les pertes qu'on a endurées. Ça, c'est la vérité. Et on ne peut pas aller en dehors de cette vérité. Les délais. Là encore, il y a un problème. Vous voyez la liaison entre le coût et les délais. Rien qu'à cause de la prolongation des délais, vous voyez les coûts comment sont montés en flèche. Les délais permettent d'élaborer les plannings du projet. Là encore, c'est un problème sérieux. J'ouvre une parenthèse. Les jours où on présente le projet de 100 jours, je suis avec un collègue de l'université qui est assistant. On a donné les délais de ce projet-là. Il m'a soufflé à l'oreille que c'est du faux. Parce que là-dedans, il y avait le bétonnage de certaines routes ici en ville. Il me dit, quand on bétonne une route, ça prend au moins 28 jours pour que le béton puisse mûrir. Et on ne peut pas bétonner une route en une seule fois. Ces délais devraient normalement être multipliés par 2, 3, voire 4. La réalité nous a prouvé le contraire. Mais quand les gens ont présenté ces délais, ils se sont dit en autant de jours, 100 jours. Le planning, attention au planning, il doit tenir compte de tous les délais. Il y en a qui négligent certains délais. Voici ces délais. Études. La personne qui doit venir vous construire une maison, faire une infrastructure, doit faire les études, doit lancer la commande, doit fabriquer, doit faire des tests en usine, doit transporter les matériels en international, doit les dédouaner. Il doit transporter les matériels en local. Il doit faire les montages sur site. Il doit faire la mise en service. Il doit faire les tests sur site. Il doit faire évacuer la période de garantie. On semble souvent aussi oublier un aspect très important, c'est les délais de paiement. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Quand une entreprise n'est pas payée à temps, il est capable de faire traîner les choses. Les délais, les coûts sont intimement liés, comme dans un mariage. Okay. Une extension des délais implique dans la plupart des cas une augmentation des coûts. Le planning doit être juste et raisonnable. Il doit donc tenir compte de tous les paramètres, la logistique, les démarches administratives. Le planning, s'il est trop élastique, il peut avoir des conséquences pour le coût. Et un planning ambitieux peut être irréaliste et peut conduire à l'extension du projet. La logistique et les démarches administratives. En bref, c'est un casse-tête pour la RDC. La logistique. Vous voulez faire transporter des matériaux de tel endroit à tel autre endroit. Vous n'avez pas de route. Vous n'avez parfois pas d'avion. Exemple, nous avons construit un poste pour SNEL à Colouisy. Rien que parce que l'exonération prévue pour être donnée en un mois a été donnée une année après,
on a perdu 1 million de dollars sur 16 millions de dollars. L'évaluation du projet, je ne vais pas être long, beaucoup de gens n'aiment pas qu'on évalue le projet. On l'évalue de deux manières, pendant le projet, pour y ajuster, et puis après l'exécution du projet, pour l'expérience des projets qui viennent après. Je pense que c'est tout. Préparation du projet, qualité des personnes, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, les coûts doivent être justifiés et maîtrisés, les délais doivent être justes et raisonnables, la logistique et les démarches administratives, un casse-tête en RDC. Et il faut accepter que le projet, tous les projets soient évalués. Merci. Merci, professeur, pour votre présentation qui a été bien résumée à la fin. Donc, je crois que ça va m'épargner de faire encore une synthèse. Surtout sachant que dans la salle, nous avons des élites avec un quotient intellectuel élevé. Bon, nous passons la parole au prof Nzungu. Ah, c'est Nzungu. Ok, je m'excuse. Merci beaucoup, monsieur Freddy, pour vos deux petites questions. D'abord, merci aussi pour vos félicitations. Et la première sous-question, quels sont les critères d'évaluation d'un projet? Je ne veux pas aller dans les détails dans la gestion de projet. Mais la première chose, quand on évalue un projet, c'est de vérifier si les objectifs du projet sont complètement atteints. Première chose. Ou pourront être atteints. Ça, c'est l'évaluation pendant qu'on exécute le projet. On peut déjà voir que le projet ne va pas atteindre ses objectifs. Attention, il y a des pièges dans cette évaluation-là sur les objectifs. Je donne un exemple. J'ai donné cet exemple et je reviens dessus. On veut réhabiliter un groupe à Kigali. Tout le monde voit l'objectif principal, c'est de remettre un groupe qui est à part sur le réseau, produit de l'électricité. OK? Et attention, en deçà de cet objectif, il y en a beaucoup d'autres. Il faut se poser encore la question sous-jacente. À quel prix? C'est là que vient mon exemple. On a dépassé 130 millions. On en a perdu près de 200. C'est très important ça. Et puis, il y a aussi les autres critères d'évaluation sur le coût. Sur les délais et sur beaucoup d'autres choses. Et souvent, quand nous parlons du développement, il faut aussi tenir compte des, pas seulement des porteurs du projet, mais des bénéficiaires du projet. La plupart du temps, on fait un projet, pas pour soi-même, mais pour un public cible. Il faut aller vérifier si les objectifs qu'on s'était assignés sont atteints pour ces publics-ci. Par exemple, on peut construire un hôpital. L'hôpital peut être construit, peut être équipé, mais si jamais il n'y a pas de médecin dans cet hôpital, donc on n'atteint pas la population. Donc, je n'entre pas vraiment en profondeur dans la gestion des projets. Il y a d'autres critères, par exemple. Il faut le dire, hein, la plupart des projets en RDC sont terminés, mais sont très mal terminés. La qualité. Exemple. Nous construisons un poste pour SNEL dans le projet de partenariat entre Valeo et Max et SNEL à Colmise. On termine la construction du poste, il tourne déjà, par exemple. Il faut attendre 24 mois pour la période de garantie. Et ça, souvent, les gens, dès qu'un projet est fini, ils foutent les gants. 6 mois après, qu'est-ce qui arrive? Les pannes commencent. Les outils, c'est très important. D'abord, un constat
de personnes en RDC ont horreur des évaluations. Ça ne devait pas être un problème de tiers. Quand vous êtes en train de piloter un projet, ou vous l'avez fini, l'évaluation du projet doit être l'affaire du porteur du projet. Qu'est-ce que nous remarquons? Ce sont les autres entités. Prenons par exemple le cas de la gestion avec Pierre. Ce ne sont pas les gestionnaires plutôt, qui décident de faire le contrôle. C'est quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, les gestionnaires repoussent les contrôles ou des mécanismes pour ne pas contrôler. Au fait, les outils d'évaluation d'un projet, les premiers outils, parce que le projet est écrit dans un contrat, il y a la qualité, il y a les coûts, il y a les délais. Évaluer un projet, c'est aller vérifier si ces éléments se réalisent comme prévu et ajuster si nécessaire. Et surtout à la fin du projet. J'ai faisais lire des amis en disant la plupart des projets en RDC, c'était le plus grand. Le plus élevé. Je donne un exemple. On doit se dire la vérité. Je discute avec mes collègues ingénieurs. Ils me parlent de la limitation des. Ouf.